Salut tout le monde, on est parti, on est jeudi et on va faire le bras de fer. Le bras de fer, vive le bras de fer qui nous permet, comme vous le voyez ici, de gagner un dos de cartes apparemment. Donc c'est à dire que si vous gagnez le bras de fer, vous gagnez un dos de cartes en plus, ce qui est pas dégueu. Bon après le dos de cartes t'as pas l'air d'être très très beau, mais voilà. Donc on va faire directement le bras de fer. Pam palam palalalalam. Alors je sais pas, mais je pense que vous entendez pas beaucoup le jeu là. Ah, mais en fait, attendez. Je pense que le jeu est très faible. Ouais, vous me dites si le jeu est trop fort. Alors, déjà c'est un bras de fer nouveau, donc ça c'est cool. C'est un bras de fer spécial Noël, donc ça c'est cool. Le grand-père hiver dépose des caisses sur le champ de bataille. Vous obtenez un cadeau chaque fois que vous fracassez celle de votre adversaire. Ok, j'ai pas trop compris ce que c'est. Ah, je vole. Non, je vole. Ah oui, si, je vole total. J'avais pas vu que je volais. Oui, je volais à l'infini, en fait. Je sais pas pourquoi, j'étais dans ma paranoïa, là. Merci. J'étais dans ma paranoïa. Alors, je sais pas du tout quel type de deck faut faire. Du coup, vu que je sais pas quoi faire, on va faire, évidemment, un paladin secret. MDR, pas du tout, un paladin murloc. Voilà, quand je sais pas quoi faire comme deck, je fais un paladin murloc. Voilà, et après en paladin, qu'est-ce qu'on prend? On prend un petit esprit combatif. Une petite championne, une petite consacre, et... et un truc qui n'a aucun sens, un petit tyran. Voilà. Allez, c'est parti. Un deck early, faut faire apparemment. Bon, je verrai, je suis en train de découvrir, donc découvrons. Découvrons. Alors, adversaire qu'on a. Je suis un peu. Enfin, je trouve que dans les decks de bras de fer, il devrait pouvoir faire le choix que tu peux utiliser un tes decks que t'as déjà dans ta collection de base, quoi. Vous l'avez cherché. Enfin, bon. Alors, le Tyrion Fordringue. Pas ouf, quoi. Vas-y, on garde le drop 1, même s'il va se faire ping, très certainement. On a double saut of flak. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Attraper ses cadeaux. Joyeux voile d'hiver. Ok. Donne un cadeau volé aux joueurs dont c'est le tour. S'il n'y a pas de caisse de votre côté, en livre une. D'accord. Ok, donc le but c'est de péter les caisses, je suppose. Le but c'est de péter les caisses. Mais alors qu'est-ce qu'il y a dans les caisses? J'ai pas trop compris. Ouka, oula, ouka, 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 ouka. Oh non. Oh s'il te plaît. Oh vas-y, respecte-moi le jeu. C'était tellement improbable que ça fasse ça. Mais vas-y. Vas-y, je m'en carre. Je pioche. Donne un canon, allez, non, c'est le tour. Ok, je sais ce que je vais faire comme deck. Je fais un deck. Prêtre. Ça va être marrant. Mais alors, qu'est-ce que ça donne la caisse? Ah, ça lui donne une caisse. Ah, d'accord, c'est des cartes spéciales. Ok, bon. Autant dire que là je suis pas bien, c'est ça que vous êtes en train de me dire, que je suis dans la merde là. Son coût est réduit en plus, ah oui. Ça ne vous regarde. Son coût est réduit? Ouais, il est réduit, gros, bien réduit quoi. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Ouais, donc là en gros vous êtes en train de me dire que j'ai perdu quoi. Putain, j'ai oublié de faire ça. Bon, du coup, tant pis. Ah, j'ai oublié de faire mon... J'ai oublié les potes, sur ce bras de fer, de faire mon... de faire ce murloc là. Ouais, mais c'est trop fort en fait, ouais, d'accord. Ah, mais c'est tout le temps, c'est ça. Ah, c'est tout le temps cette carte.
Ok. Mon nom, ça ne vous regarde pas. Non mais... Quelle est cette blaguesse? Et là ça va faire pouf pouf pouf. Non. Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse. Elles sont réduites de 5. Ouais bah je vois ça ouais. Je peux même pas tuer la caisse. Après, est-ce que je pourrais pas revenir dans le game là, grâce à toutes mes créatures? Et là, il va faire choc de flamme. Je suis mort. Oh, il peut pas, mais. J'avais oublié que ça. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris ça. Putain, qu'est-ce que. Oh. Allez, tu sais quoi? La victoire vous appartient. Même il m'a saoulé. Il m'a gavé! Vas-y, wesh. Bon, on va faire un prêtre. On va faire un prêtre. Bon. Supprimer, voilà, parce que c'est pas très marrant. Alors, un prêtre. On va faire un prêtre avec. Déjà, on peut mettre des silences. Si on silence une caisse. Et qu'on l'attaque jamais. Enfin. Ouais, mais c'est... Ouais. Ouais, c'est... Ouais. Je sais pas trop. Alors, on va mettre deux salles de soins. On va mettre. Un feu intérieur, deux lumières de Naru, deux mots de pouvoir. On va mettre ça. On va mettre quoi? Confusion, excellent. Ça. On va mettre ça évidemment. L'esprit divin. On va mettre l'esprit divin. On va mettre un esprit divin. On va mettre ça. On va mettre un conservateur du musée, deux sombres sectateurs, deux vols d'esprit, deux folies de l'ombre. Deux prêtresses évidemment, une Nova. Deux cabales. On a oublié de mettre les. Ceux qui réduisent l'attaque là. Non mais ça sert à rien. Deux cabales. Ah on va mettre un recombulateur, c'est marrant ça. Et je sais pas, j'en sais rien. Alchimiste fou. Ah oui, alchimiste fou, c'est vrai. Les alchimistes démons. Alors attendez, on va enlever un recombulateur, on va mettre deux alchimistes démons. Nain sombre fer, sergent grossier. Ouais, sergent grossier. Ouais, si, c'est pas mal. Sergent grossier, sergent grossier. Je vais en mettre un à la place de ça. Bon, c'est un deck un peu à la run again. Mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est pour le but. C'est vrai, l'alchimiste fou, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort parce que tu peux, ouais, tu peux, ouais, c'est. C'est vrai que le match est tellement fun, tu gagnes juste avec la 3-2 qui réduit les sorts de 1. Mais pourquoi? Pourquoi dis-tu ça? Bon alors là c'est une main de type nul. Voilà donc excusez-moi du peu mais au revoir quoi. Feu intérieur, c'est bien ça. Ah ça c'est très bien ça. Excellent boulot. La merde mais lui il a pas de caisse du coup. C'est trop marrant. On va le bolosser avec notre 6-6 là. Bonne fête du vol d'hiver frère. Là je pense qu'il a bien perdu là. You have perdu mon ami. Désolé pour toi, hein, vraiment. Alors. Alors, on a un cadeau. Trop fumé. Est-ce qu'on joue pas assassiné? Est-ce qu'il y a une autre caisse qui arrive là? Ou pas? Oh, on va mettre ça, c'est marrant ça. Là il est bien. Il est tellement bien. Tour 2, je possède une 6-6 et une 6-7. Je pense que c'est plutôt fort. Après le truc des 3 boules de neige là, c'est fort aussi. Ça envoie tout dans la main, tu sais. Bonjour. Bonne fête du voile d'hiver.
T'as perdu, tu peux abandonner. Tu peux abandonner, j'ai gagné. Tellement d'options. Non, il n'y a pas beaucoup d'options là, c'est l'abandon, je pense. La seule option, c'est l'abandon. La seule option, c'est l'abandon. J'ai une 6-7 pour 0. Ce qui revient à une 6-7 pas chère, quoi. Pas très très chère. Je l'avoue. Mec, joue. Go play, please. Désolé pour le soleil là. Oh non. Mais il est déçu parce que. Ouais, bah je l'avais prévu, hein. je l'avais call là, l'abandon, c'était obvious, il pouvait rien faire. Mais on a eu d'autres cartes, génial. Ah, mais on n'a pas eu le paquet du coup. Ah, si, on avait un paquet quand même. Ah non, attends, on a un paquet. Ah, on a un d'autres cartes à gagner, mais pas de paquet. Wow, vas-y, l'arnaque totale. L'arnaquesse. Bon, ce soleil, ça me dépite quoi. Ça me dépite. Anduin contre Uther. Je combattrai avec honneur. Pas mal, pas mal. La lumière nous apportera la victoire. Pas mal. Ouais, ça peut aller. Ça peut aller, c'est pas. Voilà, c'est pas. Comme j'ai envie de te dire, c'est pas bon. Bon. Y a pas de paquet, c'est vrai que ça c'est. Je suis plutôt déçu parce que moi, bon, le dos de carte, c'est pas que je m'en contrefous. Mais on n'est pas loin quoi, on n'est pas loin. Joyeux voile d'hiver. Joyeux voile d'hiver. Le truc infâme à faire en prêtre, c'est tu silences la caisse, tu la buff genre 0-0-30, tu sais. Tu la buff full HP, comme ça le mec peut jamais la tuer. Et il est au fond. Alors, que vas-tu faire, paladin? Bonjour. Bonne fête du voile d'hiver. Et mettez cette pomme sur votre tête. Bonne fête du voile d'hiver. Vas-y, il est chiant, lui. Venez vous battre, vermine. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais... Non. Ah si, parce qu'après, je peux... Tout de suite. Je peux faire ça, ça, quelqu'un est et bien. Ça. Et là, je pioche 4 cartes. Bonjour. Bonne fête du voile d'hiver. Bonne fête du voile d'hiver, mon pote. Putain, mon play était ouf en vrai. Esprit divin, pas mal. On va doubler les points de vie de cette merde là. On va mettre ça, on va doubler. Ça va être une 0-12. Achève pour aller la tuer. Hein. En plus, là, je peux. Mais s'il te plaît, mais respectez mon play. Je peux rien, je peux même pas jouer tellement je roule sur la tête des gens. Pourquoi? S'il vous plaît, laissez-moi jouer. Certains bras de fer reviendront peut-être plus tard, mais s'il te plaît, la vieille arnaque. Bon, on va encore en faire un ou deux, et puis après, bah, c'est voilà quoi. Malheureusement. Je dois protéger la main. La lumière nous apportera la victoire. Il nous faut. J'ai été touché par la grâce. Alors là, la grâce divine. Bonjour. Bonne fête du voile d'hiver. T2 win. Bah ouais, encore. C'est, en fait, je vais appeler ce deck le T2 win. C'est-à-dire que là, j'ai même pas T1 là du coup, mais on va dire c'est T2, c'est le coup des cartes quoi. Bonjour. Bonne fête du voile d'hiver. Je suis vraiment désolé pour toi mon pote mais. Vous allez adorer ma nouvelle. Oh merde, j'ai oublié de faire le truc. Ah non, ça coûte. Plus de cadeaux. Il va abandonner. 100% il va abandonner. 100% je n'ai pas forcé mon talent sur ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont à tous jouer ça là? Ça pue la mort.
Enfin, dans le bras de fer, en tout cas, je vois pas trop à quoi ça sert, mais bon. Bonne fête du voile d'hiver. Vous allez adorer ma nouvelle routine. Je sais pas. La nature vous mettra pour plus de cadeaux. Est-ce que vous pensez qu'au 3e, au Kassa, il rage quitte? Je pense qu'il rage quitte, 100%. Non, il m'attaque de plein fouet. Putain, si j'avais eu un sergent grossier, ça aurait été ouf. Attendez. Arbre de vie. Boule de neige. Ah, si on va prendre arbre de vie, c'est trop marrant. Ne me pressez pas. Il doit être au fond. Qu'est-ce qu'on s'abuse ? Putain, si j'avais un sergent grossier, j'aurais pu tuer la sienne et la mienne, quoi. Ça aurait été. Ça aurait été ouf. Arbre de vie, c'est trop marrant. J'espère que la game va durer un peu longtemps, comme ça je vais pouvoir arbre de vie, puis on se remet full vie tous les deux et tout. Ça va être bien sympathique. Mais le mec, il fait un deck découvreur, quoi. Les découvreurs, les explorateurs. Oh, c'est insane la chatte que j'ai aussi. Malorne pour 2. Aviana pour 4. Oh, il faut que ça reste. Oh, il faut que. Ne me pressez pas. Non, oh, il faut qu'il reste lui. Oh, lui, il faut qu'il reste. Oh, lui, il faut qu'il reste. Aviana pour 4. Malorne pour 2. Ça c'est bien joué. Sauf que c'est de la merde parce que. Attends, c'est à dire que c'est 6 mois qu'il tue. Je suis bien là ou pas? Scénarius. Pour 4. En fait, il faut que je prenne des créatures parce que ça, ça va me coûter rien en fait. Je vais mettre ça et ça. Les damnés se tiennent prêts. Quelqu'un est blessé. Il y a un truc que je comprends pas. Vos cris de guerre se déclenchent. Ah, c'est les cris de guerre, c'est pas les râles d'agonie. Putain, oui, je suis con. J'ai confondu avec le bar. Un petit bricolage. Il va être tellement déçu, le pauvre. Vas-y, joue tes cartes. Joue-les. Y'a pas de soucis, frérot. Quand je vais tomber avec Aviana, Malorn et Scénarius, mon pote, tu vas moins faire le malin. Malinx, le lynx. Ah, bien joué ça. Oh, plus de cadeaux. Alors, 4. Je peux jouer les deux là. Vas-y, je vais le faire. Mes enfants et les... Plus 2. Attends. Plus 2, ça devient 7-7. Mais je peux pas trade grand chose. Ouais, non, il vaut mieux mettre les taunts. Qui ose profaner cette guerre ancestrale? Mon destin est scellé. Salut à toi. Salut. Bon, après, il peut quand même me péter moi, mon Aviana, mais c'est quand même marrant. Ah, il va peut-être avoir la boule de neige. La boule de neige qui va me renvoyer mes serviteurs dans la main. J'ai eu que des cartes druides d'ailleurs. Aviana, Scénarius, Malorn. J'ai eu que des cartes à lui quoi. Et Arbre de Vie d'ailleurs. Bon. Bonne fête du voile d'hiver là, tu fais quoi mon gros? Avec ton druide mecha là. Druide doré. Non, parce que plus 2 en gros ça servait pas à grand chose. Enfin. Quand on n'attend personne. Serviteurs, valets et soldats des ténèbres glaciales, répondez à l'appel de Kel'Thuzad.
mourir. Il m'a enculé. Well played. Well played. Pour les bon. Anciens. Je vais te faire ça de toute façon. Well fucking played. Well fucking played, dude. Alors. Au nom de la lumière. J'ai pas dit mon dernier mot, mon pote. Mais c'est quoi cette merde? C'est fait une combien? C'est une 5-8? Grossi ma carte légendaire. Le truc useless mais c'est trop marrant. 17-2 alors. Bonjour. Eh hey, là c'est une vraie partie là. Là c'est ce que j'aime là mon pote. Bon après j'ai une 17-2 quoi mais... c'est pas la folie. En rouge des cartes de druide. Oh non. Oh c'est pas grave. Ah, c'était un météore à lui, c'était vraiment. Ça lui coûtait vraiment 5. Ouais, c'est pas ouf. Oh bah il fait rien du tout de la game là. Nice. C'est soit il pète ma caisse, soit il trade ma lorne, soit il trade Scenarius, mais. Dans tous les cas, c'est pas ouf pour lui là. Tintin. Il préfère la caisse. Donc il me laisse ma lorne. Why not, you know. Le temps n'attend personne. Attends, il peut jouer une carte pour 0. Oh non. Ce qui s'appelle une énorme chatte aussi là. JPP. Livraison spéciale. Laissez à ce serviteur un tour pour se préparer. Ah merde. Oh JPP, il a eu la seule carte qui pouvait le sauver. Oh qu'il est casse-couille. Oh il va me battre. Oh il est plus fort que moi là, il était tellement meilleur. Oh il saoule. Feu intérieur. Ah mais je peux pas attaquer avec. Putain. J'avais oublié cette. Les damnés se tiennent prêts. Les damnés se tiennent prêts. J'ai oublié ce détail, je peux pas attaquer avec parce qu'elle vient d'être invoquée. Ah ouais, mais là j'ai perdu. Ah non, mais non, il m'a roulé dessus. Putain, je faisais le beau au début en plus, j'avais tellement la sortie parfaite. Mais juste, il a eu trop de chat avec sa boule de neige là. Sinon, je remontais tellement dans le game. Là, je peux rien faire avec ces merdes là. On bat les couilles de scénarios qui coûtent 9. Encore pire de Malorne quoi. Après ce qui est bien c'est que là quand tu vas tuer cette caisse il va forcément mourir quoi. Enfin, il va tuer une de ses créatures un peu. Bon mec, choisis là. Choisis une grosse carte, un gros ton là que je te le défonce. Genre Eldemort. Na 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 na. Ou Tyrion.
Ouais mais Tyrion ça va pas. Tyrion c'est pas bon. Putain il a quand même bien eu de la chance quoi, il a chaté contre le mental, il a récupéré Manaviana et tout, enfin full limp quoi. Ok, bizarre. Oh non. Hein? Il a pas eu le temps de jouer King Apollos. C'est chiant. Oh, putain, je peux rien faire quoi. Bon, vas-y. Je vais faire ça. Voilà, hop. Hop. Enfin une carte quoi. Ah, là, tu vas bien te faire foutre, mon pote. Je dois retourner. Ma main est déjà pleine. Après non, buff la caisse d'avant c'était bien parce que même si je pouvais pas attaquer avec, ça obligeait le mec à suicider ses mobs dedans. Tu veux pas mettre un énorme ton là que je te le tue avec mon chasseur de gros gibier, un gibier. Tintin. Sharpie. Ah, foiré, il me donne quoi? J'occupe tellement de la merde. Bien joué à lui. Bien joué à lui. Par contre, il met trop de temps pour jouer, ça, c'est infernal quoi. Genre, enfin, il va tout le temps à la corde et. Il a même pas le temps de finir ses tours, tu sais. Nique-toi, nique-toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, attends, mais je suis meloyant. Ça meule. La main est déjà pleine. Oh non, putain. Bon. Vas-y. Fais pas chier. Mais putain de chatte. Les damnés se tiennent. Vas-y, il m'a saoulé. Ça le meulet. Ça me redonne une caisse, ça lui donne une caisse qui sert à rien. Voilà, parfait. Putain, la game quoi, qui dure une année. Il a perdu Chromagus, vraiment? Pas vu. JPP. On a tellement les meilleures cartes à chaque fois. Arbre de vie. Mais respecte-moi, sérieux. Mais contrôle mental ça, quoi. Faites confiance au corps. On n'attend personne. Me dis pas qu'il a de quoi jouer. Joyeux voile d'hiver. Venez vous battre, Vermine. J'ai l'arc et les pompes. C'est de la merde. On va prendre ça pour pouvoir le one shot son truc. Est-ce qu'on met ça? Non. Ah, oui, mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas obligé de le mettre? Je suis de retour. Je suis de retour. Putain, c'est la game la plus longue de tout le bras de fer, quoi. De tous les bras de fer réunis. Après, le bras de fer est sympa, je trouve. Vraiment, vraiment cool. Bonne idée et tout. Là, je m'amuse. Je m'amuse. Voilà, ça se voit pas, mais je m'amuse. Je m'amuse comme un petit fou. Enfin, pas comme un petit fou, faut pas déconner, mais... Bon là, ce que je viens, c'est que prochain tour, je peux esprit diviniser. Je peux esprit diviniser. Est-ce qu'il a quoi de gérer Malorne en fait? C'est ça le truc. Parce que
que s'il a de quoi gérer ma lande, c'est chiant. Sinon, je suis pas mal. Parce que je peux Scénarius plus de tout le monde. Plus feu stellaire la boîte. C'est pas dégueu. Les esprits sont à lui. Va te faire foutre. Morchat. En plus, il a fait un misplay, il aurait pu prendre une 9-7. Mais bon. Qui ose profaner ces choses? J'ai largué les bombes! Subissez mon courroux! Qu'est-ce qu'on s'amuse? Oh, le misplay de l'année! Putain de merde! Putain de bordel de merde! Putain de merde! Mais va te faire enculer, vraiment va te faire enculer, tu me casses les couilles. Sérieux, mais ça casse les couilles à tout le monde là ce que tu es en train de faire. Son deck de départ, il pue la merde du JPP quoi. Le temps n'attend personne. Oh, plus de cadeaux. Nourrir, mais putain. C'est nul! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, bah ça, c'est bien le moment. Il me tue là, mais pas ça. Oh, il va me tuer, je pense. Il va me tuer. Je suis d'un rugissement, j'ai perdu. Libérez la bête. Ça donne plus de dégâts, hein. Il va très bon. Oui, il manque. Putain, ça m'a saoulé là. J'étais tellement mauvais. Suicide avec Ocean Eye. Ah oui. Plongé dans les flammes. Oh oui, je ne le laisserai pas gagner. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Bien joué. Bien joué les potes. Boum. Personne gagne alors. Personne gagne. Paf! Paf! Dans ton petit cul! Bim! Voilà! Meilleure fin de bras de fer possible! Merci à toi, Vrak, de cette idée. Il a perdu le bolos, il a perdu, il a pas gagné. Allez, sur ce les potes, merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur le bras de fer. Le bras de fer très sympa, je mettrai un petit 4 sur 5, honnêtement, vraiment, vraiment sympathique le bras de fer. J'ai bien kiffé, le système de truc est sympa. Après, en plus, c'est soit c'est très très court, soit c'est très très long, donc voilà.
Voilà, voilà. Petit bémol pour le paquet qui nous l'ont. Enfin, ils nous ont donné un vieux dos de carte à la place du paquet. Donc, moi, je m'en carre. Mais ça, c'est pas grave. Allez, sur ce, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits pouces sur la vidéo. Et puis, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Tard plus.